Aujourd'hui est un jour spécial, à plus d'un titre spécial parce que tous les sabbats sont spéciaux. Chaque fois que le peuple de Dieu est invité à se rassembler pour chanter, pour prier, pour célébrer le sabbat, c'est un jour spécial. Mais aujourd'hui est d'autant plus spécial que nous sommes invités à participer à la table du Seigneur, invités à participer à l'une des deux seules choses que Jésus-Christ institua lorsqu'il était sur terre. Outre le baptême, il institua la sainte Cène. sainte Cène qui n'est autre qu'un repas, prélude de ce banquet des noces de l'agneau auquel nous sommes tous conviés lorsque Christ reviendra. Et en attendant ce moment extraordinaire, il nous invite à vivre. Ensemble, autour du vin, autour du pain, un service très particulier. Pourquoi le pain J'aimerais vous inviter à réfléchir quelques instants sur le sens profond de ce auquel Christ nous convie en ce matin à travers le fait de prendre, manger, faire corps avec ce pain. C'est vrai que le pain était une denrée de première importance à l'époque du peuple d'Israël. D'ailleurs, c'est un élément tellement important qu'au fil du temps, le mot pain, tant en hébreu qu'en grec, lechem hein, et autos, en est venu à désigner non seulement le pain proprement dit, mais la nourriture en général. Un objet précieux pour toutes les familles. À tel point qu'on pouvait prêter du pain. Le pain était devenu également un élément avec lequel on faisait beaucoup de troc, Il était devenu une valeur au même titre que nos billets d'aujourd'hui et l'on pouvait acheter quelque chose avec du pain. L'on pouvait non seulement le prêter, non seulement en faire du troc, mais on pouvait également en faire don. Le pain était. Un élément qui était l'objet de la préoccupation quotidienne dans les familles israélites. Et c'était le rôle de la maman, chaque jour, de s'inquiéter du pain. Alors, ce pain était fait souvent avec de l'orge, mais parfois également avec du froment, du millet, de l'épeautre, de la fève, même des grains de sésame ou de lentilles. Alors, Généralement le paysan le pauvre utilisait l'orge, or, le riche utilisait le froment. Et lorsque les temps étaient vraiment difficile, le millet ou l'épeautre. Alors on imagine cette mère de famille qui chaque jour se préoccupait de savoir où sont les grains parce que le pain était fabriqué à partir de farine fraîchement moulue. Et chaque jour, elle devait moudre les grains pour obtenir la, famille, la farine à partir de laquelle elle allait pétrir cette pâte, pour ensuite préparer le pain qui était l'élément central. Alors on imagine cette mère de famille fabriquant ce pain, un petit pain de 150 grammes, 20 cm de diamètre, tout rond, qu'elle cuisait dans un four fait maison sous des pierres chaudes, parfois dans des fours portatifs de terre cuite. Ce pain, est devenu à être un objet si important dans le rituel familial qu'on le retrouve de plus en plus jouant un rôle important dans la liturgie et dans le culte du peuple d'Israël. Cela commence avec la manne, que Jésus déclare être le pain venu du ciel, en ce sens que ce n'était pas le véritable pain, mais une anticipation du véritable pain, Christ lui-même qui viendrait du ciel. On va retrouver donc ce pain symbole de vie déjà dans le sanctuaire souvenez-vous en entrant dans le sanctuaire dans la première salle du sanctuaire le lieu saint juste sur la droite imaginez-vous une toute petite table de basse de 60 cm de haut et sur cette table deux piles de six pains sur lesquels le grand prêtre versait du parfum et qui étaient changés samba après sabbat. D'ailleurs, le pain était même objet d'offrande. Et le peuple d'Israël était amené à offrir non seulement des animaux au sacrifice, mais plus encore du pain. Ce pain, qui était essentiel, était la conjoncture exclusive de certaines catégories sociales. Le soldat avait essentiellement comme nourriture le pain. Il en va de même pour le prisonnier. En dehors du pain, le reste n'était qu'extra. Une fois le pain acquis, la nourriture était censée être complète. Le pain, c'est donc ce dont je vis. Et on retrouve dans l'Ancien Testament beaucoup de références qui vont expliquer, à partir de la symbolique du pain, ce dont je vis. Alors lorsque je suis dans une vie de souffrance, Proverbe 127, verset 2 dit que je mange le pain de douleur. Et lorsque je me vautre dans la méchanceté, au chapitre 4 et au verset 17, on dira que je, suis donc dans, je mange un pain de méchanceté. Proverbe 19, verset 17, nous, dira, nous parlera du pain de mystère. 20, verset 17, le pain du mensonge. 31, verset 27, le pain de la paresse. Et on pourrait continuer ainsi de suite. Mais on voit qu'à travers l'Ancien Testament, le pain désignait « ma manière de vivre ». Ce dont je vis, ce qui constitue ma vision des choses, mon être tout entier, mais également des symboles plus positifs du pain. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, le psaume 104, verset 14, nous parle du pain comme étant un don, un don reçu de Dieu. Alors il illustre dans le Proverbe 9, verset 5, la sagesse, l'intelligence. Dans Genèse 31, l'alliance. Dans Esdras 7, la paix. Dans Luc 14-15, le royaume de Dieu. Et le plus connu, évidemment, dans Jean chapitre 6, il illustre la vie. La vie rendue à l'homme par Dieu en Jésus-Christ. Et chaque fois que nous sommes conviés à vivre un temps de sainte scène, -Sain, chaque fois que nous sommes invités à manger de ce pain, symbole et emblème du corps du Christ, nous sommes invités là à un acte fort. Fort parce qu'il engage. D'ailleurs, lorsque Jésus l'a expliqué à ses disciples en disant, si vous ne mangez de ce pain qui représente ma chair, vous ne pouvez participer à mon royaume. Les disciples dirent à Jésus, mais ce que tu dis est dur. Qui peut entendre ce genre de parole Le pain qui représente ton corps, corps comme nous sommes invités à manger. Ce symbole volontairement fort, peut-être même violent, a été voulu de Christ pour signifier que l'acte auquel nous sommes conviés nous engage totalement, puisque nous voulons signifier par notre désir de faire de notre corps le lieu où Christ lui-même est appelé à vivre et à résider. Chaque fois que je mange de ce pain, j'invite Christ à rentrer au-dedans de moi et à lui faire toute la place, à lui donner une entière priorité à chaque instant de mon existence. Pourquoi pas un fruit Pourquoi le pain je vous expliquais il y a un instant que chaque jour, la mère de famille avait une préoccupation fournir à toute la maisonnée le pain nécessaire à leur subsistance. Ce n'était pas un pain qu'elle fabriquait le dimanche pour toute la semaine, mais chaque jour, elle avait cette préoccupation. C'est vrai que nous participons à la Saint Sainte-Seine une fois par trimestre, mais ceci nous rappelle que. Cette préoccupation qui est la nôtre aujourd'hui doit être une préoccupation de chaque jour. Et de même que cette mère de famille, chaque jour, devait prendre son temps pour prendre le grain, le moudre, pour en retirer la farine à partir de laquelle elle allait fabriquer la pâte qu'elle allait cuire pour avoir du pain. Cela nous rappelle que chaque jour, nous devons avoir la préoccupation de rechercher Christ et de s'interroger, de s'interpeller sur les manières de pouvoir aujourd'hui dire à Christ. Je veux faire de toi le centre de mon existence. Je veux que tu sois en moi. Je veux vivre par toi, pour toi, en toi. Et alors qu'aujourd'hui nous sommes conviés à participer à ce temps de scène, nous voulons vivre ensemble un temps où nous dirons à Christ Seigneur, je veux aujourd'hui faire de ce moment une occasion pour me reconsacrer à toi. Il y a combien d'années que nous, nous sommes baptisés? Dix ans? Trente ans? Quarante ans peut-être? Ou peut-être tout juste un mois? Cinquante? Et je crois qu'après cinquante ans, 20 ans ou même un an, on a vécu. On a vu des vertes et des pas mûres. On a vécu des moments forts spirituellement, mais des moments où on s'est peut-être éloigné de Dieu. Des moments intenses avec Christ, mais aussi des moments où on en était un petit peu loin. Et je crois que ces moments de cette scène que Christ a prévu, qu'il a anticipé, il l'a fait pour nous donner l'occasion de lui redire, Seigneur Jésus-Christ, je te veux comme mon Seigneur, je te veux comme mon Sauveur, je te veux dans ma vie, non pas comme un élément périphérique, mais comme l'élément central, l'élément d'une grande valeur que je ne voudrais échanger pour rien au monde. Parce que tu es au cœur de mon espérance, au cœur de mon existence, au cœur de tout ce que je voudrais vivre dans le futur, être dans l'avenir. Et je crois qu'alors que nous sommes invités par Christ lui-même à vivre ce repas, à vivre ce banquet, nous voulons surtout en faire l'occasion pour que dans nos cœurs, dans un esprit de prière, nous puissions nous reconsacrer à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous serons bientôt invités à vivre ce temps de lavement des pieds, alors que nous serons bientôt invités à manger de ce pain et à boire de ce vin, que chacun des éléments que nous apprêtons à vivre ne soit pas juste un symbole que nous répétons de manière mécanique, trimestre après trimestre, que ne soit pas juste un symbole que nous répétons parce que, après tout, si tout le monde le fait, en tant que membre de cette communauté, je vais faire comme les autres, que ce soit autrement important pour nous. Parce que nous prenons conscience qu'au-delà de ces symboles, nous voulons signifier à Christ qu'une fois de plus, nous l'acceptons comme notre Sauveur personnel. Alors si nous faisons le choix et... J'invite chacun ici présent à faire ce choix. Si nous le faisons de dire, je participe à la scène, que cette participation est du sens, non pas de manière globale et générale, non pas simplement d'un point de vue intellectuel, une adhésion cognitive parce que nous comprenons que la Bible enseigne, mais plus encore une adhésion du cœur pour dire à Christ, je te veux en moi. Et manger de ce pain signifie pour moi t'inviter à être en moi, pour faire partie de mon corps, partie pleine et entière de ma vie, pour que chaque minute, chaque souffle de vie le soit pour toi, par toi et en toi. Amen.